Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le... je fais le Tumblr Girl ou je suis une Tumblr Girl ou... un truc dans le genre. Donc je sais pas qui est la youtubeuse qui l'a inventé, je suis désolée, je connais pas son nom, sa chaîne, etc. Donc si quelqu'un le sait, pourrait-il le mettre en commentaire, ça serait gentil. Donc oui, je me suis coupé les cheveux, hein, voilà. Bon, donc le principe de ce jeu, c'est de trouver une photo Tumblr et de la reproduire en fait. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première photo, je vous la mets là ou là. Elle a les cheveux attachés. Okay. Donc on va essayer d'avoir les cheveux attachés. On va dire que c'est bon. Et elle a la main comme ça. Bon, on va dire que c'est ça. Hein. J'y arrive pas trop. Donc on va dire que c'est ça. Bon, prochaine Tumblr Girl. Donc elle a les cheveux détachés. Très clairement, elle les a plus grands que moi. Elle a une oreille au milieu. Elle a les cheveux derrière ses oreilles. Et elle fait quoi? Elle fait ça. Bon, je pourrais pas parce que du coup je prends l'autre côté. Elle a une grosse lèvre. Bon, ça fait pas du tout pareil qu'elle, hein. C'est pas ouf. Je vais essayer d'en faire une autre. Ok, j'ai pas les mêmes styles qu'elle, donc ça marchera pas de toute façon. Ensuite, next photo. Donc, elle est dans son lit, les cheveux détachés, elle a des beaux yeux bleus et elle prend son t-shirt comme ça. Donc on va faire ça. Je vais mettre dans mon lit. Il faut avoir les mêmes cheveux qu'elle, je pense. Next photo. Donc elle a... Est-ce que c'est ça ? Les cheveux devant son visage. Et elle a un piercing au nez. Je vais aller chercher un piercing au nez. Du coup j'ai rajouté le petit indispensable, le piercing au nez pour la photo. On va essayer. Putain, elle a un sourire trop... trop simple elle. Bon, j'arrive pas trop le sourire naturel, donc on suffira de ça. Et pour la prochaine photo, elle a les cheveux attachés en tresse, donc moi je peux plus faire ça, donc je vais juste mettre les lunettes comme elle a, mettre tous mes cheveux de ce côté et essayer de faire sa pose. Donc elle l'a fait en noir et blanc, donc je vais essayer de la faire en noir et blanc. Attendez, je vais essayer de faire une queue de cheval basse. C'est plus mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. Elle a les sourcils super faits et tout. Qui est pas mal du tout. Bon, écoutez, on va dire que c'est ça. Hein. On va peut-être prendre une autre pour la fin. On va aller chercher sur Google. Bon, du coup, je suis allée me coiffer pour en faire une autre. Donc, elle est comme ceci, elle a des couettes. Elle se tient la bouche un peu bizarrement. Donc, on va voir ça. Je sais pas comment faire. Voilà. On va passer à la suivante. Donc j'enlève mes couettes.
celle-là, j'ai mis des barrettes qui ne tenaient pas. Mais déjà, en fait, parce que j'ai pas trop de timing. Donc elle tient la langue celle-là. En ce moment j'aime trop tirer la langue quand je prends des photos. Un peu les cheveux devant le visage, genre comme ça. Attendez, je crois qu'elle a une façon de mettre son bras. Ok. Bon, je vous mettrai les deux. Hein. Et pour finir, la dernière, elle a un truc de fleurs dans les cheveux. Elle a les cheveux surtout d'un côté comme ceci. Un ribbon fleur dans les cheveux. Pourquoi ça me va pas? Terminé, vous avez vu les deux images de finale. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous me direz si certaines sont réussites, même si je ne pense pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.